Nos internautes nous disent souvent qu'on n'a pas suffisamment de réalisateurs en interview. Alors cette fois-ci, j'espère qu'ils seront contents parce qu'on en a un sous la main, très disponible, pas n'importe qui, Peter Kassovitz, bonjour. Bonjour. Alors moi je suis très content de vous recevoir, ce qui est vrai et c'est pas pour rien. Je considère que vous êtes réalisateur complet, vous avez fait du documentaire, de la fiction télé, du cinéma, vous avez tourné avec d'énormes stars européennes et américaines. Donc nos internautes seraient très contents donc d'avoir vos avis. Moi j'ai une première question aux professionnels, qu'est-ce que vous cherchez, puisque nous nous adressons donc à des comédiens, qu'est-ce que vous cherchez chez un comédien en tant que réalisateur? Bon, écoutez, réponse est simple, hein. C'est des rôles, hein. Il y a des rôles, alors on cherche qui est le qui sera le mieux pour le rôle. Alors maintenant, les critères pour un rôle, ça, effectivement, ça peut être différent. On peut aller chercher des gens qui ont une notoriété parce que pour les raisons de production, ou au contraire on cherche justement à crédibiliser le film avec des gens qui ne sont pas connus, on cherche à faire du contre-emploi ou pas, donc ça on peut avoir des démarches différentes, mais enfin c'est toujours par rapport à un rôle. Donc quand un comédien se présente à vous, il a un travail fini à vous présenter, en audition, dans un essai Non, je cherche, non, moi je sais ce que je cherche, lui il n'a pas à savoir ce que je cherche, au contraire. Non, ça, souvent c'est gênant quand un comédien sait ce qu'on cherche, donc il essaye déjà à se créer un personnage à sa manière, ça n'a pas d'intérêt, non. On peut faire des essais, moi, c'est une deuxième étape. Bon, moi, souvent, pendant longtemps, je ne faisais pas d'essais, je me fiais à des rencontres, quoi, à un feeling qu'on peut avoir sur une rencontre, sur une conversation, avec quelqu'un, sur son expérience, sur sa vie, tout ça. Puis maintenant, je suis plus assez, je me dis, oui, c'est bien de faire des essais, oui, c'est bien. Donc si je comprends bien, ça se passe en deux phases. Première phase, le comédien ou la comédienne est au courant d'un casting, il y va, il n'a rien, il n'a rien à proposer, rien à présenter, juste un aspect. Voilà, oui, je crois qu'on rencontre quelqu'un, lui, la plupart du temps c'est ce qui se passe, oui, eux, ils ne connaissent pas, moi je leur raconte l'histoire, bon, je dis pour quelle raison je voulais les voir, enfin, de toute façon déjà il y a des intermédiaires, hein, ça passe, il y a souvent, bon, maintenant c'est pratiquement incontournable quelqu'un qui fait le casting, donc le casting... déjà fait une démarche pour, bon, on intègre beaucoup de d'éléments, on intègre par exemple, le casting sait que un tel est libre ou pas libre à cette époque, un tel ne le fera jamais le film parce que on ne pourra pas le payer, un tel ne voudra pas jouer tel rôle parce qu'il l'a déjà fait, donc on intègre déjà des choses comme ça, et puis on fait des rencontres, on peut voir beaucoup de monde. Selon ce que vous disiez, je suppose que vous avez travaillé déjà avec des gens qui n'avaient pas suivi de formation particulière et qui ont été pris justement parce que c'était peut-être le personnage du film. C'est exact, vous confirmez? Non, j'ai jamais fait cette démarche de dire je travaille avec des non-professionnels, j'ai jamais eu l'occasion, mais je trouve ça très bien. Il n'y a pas de raison qu'un non-professionnel ait moins de talent qu'un professionnel, mais il y a beaucoup de professionnels qui n'en ont pas, donc ça peut arriver. Bon, ça arrive tout le temps avec des enfants, par exemple. Bon. Mais moi, j'ai jamais fait de film qui était basé sur l'idée que c'est des non-professionnels qui... Alors, il arrive qu'on mélange pour des petits rôles, oui, souvent, oui. Bon, là, dans le dernier film, j'ai eu des gens de cru, mais très peu, enfin, c'est pas des rôles importants. Bon, je dis, bon, j'ai travaillé, par exemple, un des rôles principaux du dernier film que j'ai fait, que c'est Stefano Cassetti, c'est quelqu'un qui est, bon, il est comédien, mais il y a 2 ans, il était dessinateur industriel. Donc il est venu, c'est par hasard, bon, d'autres gens viennent par hasard, donc des gens qui viennent d'autres horizons. C'est pas toujours l'école des cours de qui donne le plus de... Alors, pardonnez-moi, je vous interromps parce que je voulais enchaîner. Justement, vous parlez d'école, des cours, à quoi servent les cours alors, selon vous?
Bah écoutez, je regarde avec un peu scepticisme la multiplication des cours. Il est évident qu'il y a là une réponse à quelque chose qui, une attente de société. De société, et pas une, donc c'est une réponse. Alors pourquoi tellement de gens s'orientent vers ce métier en pensant que ça peut fonctionner. Je sais pas, c'est peut-être bon. D'un autre côté, je pense que les cours, d'ailleurs, je pense que c'est le cas la plupart du temps, ils servent pas forcément à former des comédiens, mais ils aident des gens à vivre, à comprendre comment ils sont, qui ils sont. Ils servent souvent de psychothérapie ou de thérapie de groupe, je pense. Hein, je parle sans connaître, j'ai jamais participé à un truc. Mais enfin, je suis un tout petit peu sceptique par la multiplication. Maintenant, je sais qu'il y a des cours, des professionnels parlent c'est vrai, comment apprendre ce métier? C'est par l'expérience des professionnels. Il n'y a pas de... on ne peut pas apprendre... Bon, si, peut-être, il y a des techniques, paraît-il. Bon, on apprend des techniques, on apprend des manières de faire, des manières d'aborder les personnages, les sujets. Bon, moi, je regarde les émissions de Actor Studio et je vois qu'on interview des comédiens James Lutton, c'est ça, avec... Donc on voit des comédiens qu'on adore, qui sont des personnages magnifiques, et qui ont passé plus ou moins par ça. Mais en fait, chacun explique qu'ils ont des ils abordent le métier, les rôles et les films des manières très différentes. Donc ça, il faut... vous savez, comédien, c'est un des métiers artistiques où le talent prime. Vous êtes pianiste, vous avez du talent ou pas, au moins il faut savoir jouer au piano. Vous êtes peintre, au moins il faut savoir dessiner une cruche ou une chaussure. Vous êtes acteur, ça veut dire quoi? Bon, disons qu'au minimum... Le talent, c'est quoi? Comment? C'est la question, le talent, c'est quoi aussi? Ah, oui, le talent, si, c'est de... oui, c'est vrai que peut-être le talent de Rému n'est pas le même que le talent de Niro, mais c'est quand même rendre des personnages crédibles. Bon, il y a là aussi, bien sûr, il y a des types de talents différents, oui, c'est sûr que Gary Grant... ça n'a pas le même fonctionnement que Dustin Hoffman. Enfin, moi, je parle des comme ça. C'est vrai que même on peut parler faux et être un grand comédien. Mais enfin, disons que... Des fois, moi, j'ai l'impression qu'il y a de grands réalisateurs aussi qui savent donner quelque chose de vrai à des comédiens qui ne sont pas forcément extraordinaires. Bon, c'est ce qu'on dit. Moi, j'y crois pas. Ce qu'on appelle la direction d'acteur, j'y crois pas une seconde. Le cadrage, peut-être. Je pense à Cassavetes, par exemple, où c'est des cadrages particuliers, que ça donne quelque chose de beaucoup plus vrai que certains autres réalisateurs, vous croyez pas? Je crois pas. Enfin, bon, je dirais plutôt le contraire. On peut pas faire un bon cadre sur un mauvais comédien. Bon, c'est pas le mauvais comédie. C'est pas le comédie, c'est le film. C'est un film, c'est pas seulement un comédien, c'est une situation, un espace. Je ne crois pas qu'un réalisateur... Un réalisateur peut motiver un comédien, un réalisateur peut être malin avec un comédien pour l'amener à où il veut. Je pense pas qu'il peut donner du talent. On ne peut pas dire à Depardieu comment dire bonjour. Depardieu entre dans un bistrot, il dit bonjour, j'y crois. Et il peut le dire dans un film comme ci, dans un film comme ça, même s'il reste toujours Depardieu. Donc, ça, j'y crois pas des masses. Je pense que je crois plutôt à ce que disait, je crois que c'est John Ford qui disait que quand une fois qu'on a choisi les comédiens, le travail est à peu près fait. Bon, c'est pas tout à fait juste, parce qu'aujourd'hui, surtout, bon, c'était à son époque, c'était vrai. Parce qu'une fois qu'on a choisi James Stewart et John Wayne, il n'y a plus rien à dire. Bon, il faisait John Wayne et James Stewart. Bon, aujourd'hui, bon, vous êtes en face des comédiens, il y a des natures très différentes, plus ou moins exigeantes, plus ou moins... Mais enfin, tous demandent au réalisateur
de l'expliquer le comment, le pourquoi, donner les motivations. Et ça, oui, ça c'est le rôle du réalisateur et de l'auteur, disons, au niveau du scénario. C'est de dire pourquoi je pleure, pourquoi je vais de la table à la fenêtre, pourquoi j'ouvre la fenêtre, pourquoi j'allume une cigarette. Ça, c'est ça, le pourquoi. Mais alors, après, est-ce que c'est crédible? Comment faire ça, bon, je pense que ça c'est la magie des comédiens. Et ça, justement, je ne crois pas que ça s'apprend. Il y a des choses qui s'apprennent. Peut-être dire des alexandrins, ou avoir une expérience, ou comprendre que l'histoire, ou qu'est-ce qu'il y a derrière les choses, tout ça. Mais je ne crois pas que ça s'apprend comment on allume une cigarette avec grâce.